Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors vidéo qui sera un petit peu particulière. On va toujours rester dans le sim racing, mais on va aller un petit peu plus loin, on va aller dans l'artistique. Il y a quelques temps, je vous avais annoncé que j'allais faire une collaboration avec un autre youtubeur. Et ben c'est maintenant. Donc ce youtubeur, Bekahari, a une chaîne musicale. Il compose ses œuvres et il les met en ligne sur sa chaîne. Donc il y a quelques temps, il m'a approché pour... je vous parlerai de lui exactement après, comment ça s'est passé, mais il m'avait demandé de faire une vidéo d'une course de voiture, mais avec une de ses œuvres en fond. Donc j'avais le choix un petit peu de ce que je voulais faire. Bon, il a un droit de regard dessus, hein, ça c'est évident. Mais voilà, j'avais quasiment carte blanche. Donc j'ai choisi dans son répertoire une de ses œuvres qui s'appelle FRSD. Donc tout de suite, hein, je me suis dit Eiffel, Tour Eiffel, Paris, France. Donc on va rester, on va être un peu chauvin. J'ai choisi le circuit mythique du Mans et une voiture mythique, la Peugeot, qui fait le Mans. Donc je voulais pas juste coller cette musique comme ça sur la vidéo. J'ai voulu faire quelque chose qui racontait une histoire. Donc j'ai voulu raconter l'histoire d'un pilote qui fait sa dernière course, et sa dernière course est à l'image de toute sa carrière. On a des débuts difficiles avec des blocages de roues, on a des freinages ratés, des dépassements très durs, on a plein de choses, on a encore des blocages de roues, on a voilà plein, ce qui peut arriver, tous les problèmes qui peuvent arriver, toutes les petites erreurs qui peuvent arriver à un pilote, hein, des mauvais dépassements, des voilà. Et après, ben, il progresse. Il évolue, il gagne en niveau, il gagne en expérience, et on le voit au fur et à mesure de sa course, il s'envole vers la victoire. Donc sans plus attendre, je ne vais pas vous faire patienter, je vais vous laisser regarder cette vidéo et on discutera de tout ça après.
Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et surtout on espère avec Bekari avoir réussi à transmettre les émotions qu'on voulait à travers cette vidéo. Donc on va parler un petit peu de la rencontre et après de lui. Donc Bekari, c'est une personne que j'ai rencontrée à un club d'astronomie parce que vous savez, je suis un passionné d'astronomie. Et on s'est rencontrés, on a vite sympathisé dès le début, mais je savais pas tout de suite qu'il était musicien et surtout qu'il avait une chaîne YouTube. Donc de fil en aiguille, il a appris aussi que j'en avais une à peu près en même temps. Donc on a trouvé ça assez particulier, pas du tout dans le même domaine. Voilà. Donc là, vous devez avoir sa chaîne qui apparaît en fond à l'image. Donc vous inquiétez pas, je mettrai en description un lien dans la description. Un lien pour aller sur sa chaîne. N'hésitez pas à aller faire un tour, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît. Donc maintenant, on va parler un peu de lui. Donc c'est un auteur-compositeur autodidacte. Il monte ses vidéos lui-même. Donc il est aidé dans la gestion de sa chaîne et puis aussi pour être conseillé sur ses vidéos par sa compagne. Mais voilà, le côté artistique, c'est vraiment lui. Donc c'est quand même... faut aller faire un tour sur sa chaîne pour voir ses œuvres, parce que ça vaut le coup. Donc il y a quelques temps, il y a quand même... Oh, il y a plus d'un an maintenant, hein, je crois, il a commencé à me parler de ce projet, et j'étais pas très enthousiaste au début, pas dans le sens où ça m'intéressait pas, c'est que je voyais pas trop comment, moi, avec ma petite chaîne... je pouvais faire quelque chose qui pouvait l'intéresser. Et voilà, il a insisté plusieurs fois. J'ai commencé à lui dire oui, le jeu permet, il y a un mode où on peut mettre une musique sur une vidéo de course. Par contre, c'est que les musiques du jeu, mais c'est vrai que ça rend pas mal si les caméras, si les vues sont bien faites, bien aménagées, ça peut être sympa. Donc on a commencé un petit peu à parler, il m'a parlé de certains morceaux, il m'a aiguillé sur certains morceaux. C'est pour ça que j'ai choisi FLSD, parce qu'effectivement, j'ai essayé en regardant plusieurs vidéos de course, et c'était celle qui accrochait le mieux à quasiment n'importe quelle vidéo de course. Donc on a commencé un petit peu à échanger sur le sujet et ouais, c'est devenu vraiment concret il y a, je dirais, 3 mois, hein, presque 3 mois. C'est devenu, ouais, 2-3 mois, c'est devenu du concret. Donc on a commencé à travailler sur ce projet. C'est aussi pour ça que par moments j'étais en retard sur certaines vidéos parce qu'on a commencé un petit peu à travailler dessus. Donc je faisais certaines choses, je lui montrais des petits bouts. Et ils me donnaient tous les deux leur avis dessus. Donc, ce qui était marrant, c'est que des fois, moi, il y a des choses que j'aimais pas, ils aimaient bien de ce que j'avais fait, et inversement. Donc, de fil en aiguille, on a réussi à faire cette vidéo. Donc, c'est quand même, ça me sort un petit peu du sim racing, ça m'emmène vers l'artistique, et c'est quand même, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. Je voulais faire quelque chose, un peu comme dans la même, je dirais, le même professionnalisme que lui. Donc c'est pour ça que j'ai, ça a peut-être mis du temps parce que je mettais aussi du temps à faire les choses parce que je voulais pas présenter tout de suite à chaque fois quelque chose un peu brouillon. Je voulais essayer de faire quelque chose de propre avec des effets ou je voulais vraiment que ce soit. Ouais, que ce soit parfait, voilà. Je voulais que ce soit parfait et que ça lui plaise, qu'il n'y ait pas un petit doute ou quoi que ce soit. Donc, comme je l'ai dit, j'espère qu'avec Bécaré, on a réussi à faire passer l'émotion qu'on voulait à travers la vidéo. Et j'espère que ça vous aura plu. Et en attendant, je vous remercie et à la prochaine vidéo.